On est jeudi, le 9. Le 9 ou le 10 octobre. Je suis toujours mélangée dans les journées. Alors, voici, on est levé. Ça fait peut-être une vingtaine de minutes. On a encore beaucoup d'énergie, à part le petit Choco qui est allé se coucher. On est tous dans la pouponnière, donc quand je dis tous, c'est les 3 bébés de Zoé et les 4 petits bébés de neige. Tous des petits gars. Alors, on a le petit rouge ici. Je pense qu'il trouve que les plus gros, ils bougent trop. Il faut maintenir que Choco et Rouge ont un poids très inférieur à leurs frères. Puis ça va être des très petits cotons. Et voici la journée qui commence. Le petit bébé en ligne de neige ici. Magnifique. Ça, c'est un petit pot de colle, le petit bébé en ligne, là. Qui veut pas jouer le petit orange. Je vais faire le dos aussi. Bonjour amour. Bonjour bébé d'amour. Ouais. J'ai tous à mes pieds. Le petit rouge, je cherche un coin tranquille pour aller dormir. D'après moi, là, c'est le moment où est-ce qu'il pourrait aller tranquille. Là, vous remarquez sans doute que les plus vieux, les bébés de Zoé qui ont 10 jours de plus, sont plus actifs que les bébés de neige. Ce qui est tout à fait normal, parce que 10 jours dans leur développement, là, c'est une grosse différence. Donc, ils sont un peu moins actifs. Merci, amour. Merci, bébé. On a Dexter ici qui fait de l'agilité. Alors de ce côté-ci, vous voyez les cages. Alors, c'est les cages dans lesquelles on fait dodo. On les met au sol, puis on les met en cercle pour que les chiots se voient. L'apprentissage de la cage est plus facile.